façon pour jouer avec de la pâte à modeler, pour réaliser des créations bijoux. J'utilise la pâte à modeler souple que je vous ai montrée dans une vidéo précédente pour mouler des moules en silicone que j'ai réalisés à partir d'objets trouvés dans des brocantes. Pour remplir ce moule avec du bout des doigts, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais laisser sécher jusqu'au lendemain, certainement jusqu'au lendemain. Et quand ce sera bien sec, alors je soulève délicatement à bord pour voir si c'est bien sec. Et puis quand ça sera bien sec, je vais le démouler et je vais réaliser donc des bijoux avec les différentes parties que j'aurai choisies, moulées ou travaillées à partir d'une mousse Eva, que je vais sculpter avec un cutter en coupant quelques parties. Les pièces que vous voyez ici ont été rapportées pour faire la composition générale. Là, j'ai utilisé entre autres une petite tête d'ange que j'ai moulée ici. Il s'agit d'un petit masque africain que j'ai trouvé très très joli. J'ai réalisé le moule en silicone et ensuite voici la pièce sèche que je vais peindre avec une peinture acrylique parce qu'en séchant elle perd un petit peu de la vivacité du noir que j'aime bien. Donc pour lui redonner tout son éclat, eh bien je vais utiliser une acrylique là satin, une acrylique ordinaire, et on voit bien la différence. Voilà, toutes les pièces vont être peintes selon le fond, soit en noir, soit en blanc, si c'est une pièce blanche. Et puis ensuite, je vais pouvoir envisager de donner de la couleur. La couleur, je vais utiliser là, sur cette pièce en particulier, des effets métalliques. Un cuivre, un or, un vert métallique. Ici, j'ai plutôt utilisé un or. J'ai réalisé également des boucles d'oreilles sur lesquelles j'ai rajouté un fond acrylique peint avec des matières sableuses un petit peu. Je les ai peintes du bout des doigts avec du cuivre et de l'or et rajouté une pièce qui a été moulée. Voilà, ça donne des effets. On n'aime pas. Ça, c'est libre à tout à chacun. En tous les cas, j'essaie toujours de réaliser les pièces que j'aimerais porter pour les partager avec tout le monde.